Il devrait y avoir assez d'eau dans l'habitacle pour l'analyse. Oh, excusez-moi, pilote! Ça vous embête si on fait un petit détour? Je jurerais avoir vu un genre de grange ou un truc comme ça. Ramiro, j'ai un véhicule mais pas de guide. Petit changement de programme. Dis-moi, t'as déjà vu un volcan en éruption de près? Retrouve-moi au sommet de la montagne. Tu dois pas rater ça. Waouh! C'était quoi ça? C'est rien qu'une petite secousse. Les suspensions de la RS-200 n'ont aucun mal à gérer ça. Écoute, ça commence à fumer sérieusement là-haut. Tu devrais te dépêcher de monter. Vite, j'ai pigé. J'arrive. Hey, Ramiro. L'organisation du festival me dit qu'elle détecte une activité autour du volcan. Ce serait pas précisément là que t'emmènes ma superstar, par hasard? Tout va bien, Ellie. C'est juste une toute petite éruption. Pas de quoi s'inquiéter. Soit. Mais n'oublie pas qu'on a une antenne à installer, ok? C'est incroyable! Ce volcan avait encore jamais fait ça! On dirait qu'il se réveille pour Horizon! Tu seras en haut, on fera nos tests et on se dépêchera de partir. La Barra nous attend et... je crois que le volcan commence vraiment à se fâcher. Angelica Garcia, en direct depuis l'hélico d'Horizon XS. Vous avez bien entendu, on a un hélico. On survole la région pour voir une superstar affronter la colère du volcan de la Grande Caldera. Restez avec nous. On dirait que t'as retenu l'attention des médias. Tu passes à la télé. Ça a l'air sûr, mais il y a de la vapeur partout. Cette expédition semble nous emmener droit dans le cratère d'un volcan en activité. C'est le truc le plus rock'n'roll de tous les temps. On revient bientôt. Des fumerolles? Ouais! Figure-toi que les débouchés avec une voiture, par exemple, permet à l'énergie géothermique de s'évacuer. Continue, Superstar! Te laisse pas intimider par la Grande Caldera! Tout Horizon XS est derrière toi! Je monte le cratère, Ramiro. Bien reçu! N'hésite pas à allumer la clim!